Bonjour. Bonjour, je suis désolé, j'étais en train de passer avec des amis et je vous voyais discuter. Je crois que vous étiez une belle énergie toutes les deux. Merci. Et je peux vous l'emprunter quelques instants? Oui. Bonjour. Ah, c'est à qui ça, c'est, vous l'empruntez qui? Ton ami. Oui, mais oui, allez-y. Comment tu t'appelles? Camille. Alors, ce que Christian fait, c'est que quand il aborde ces deux femmes, il commence par aborder celle qui l'intéresse moins. Pourquoi ? Pour reconnaître qu'elle existe, pour ne pas l'ignorer, pour passer une forme de courtoisie, parce que ensuite cette femme va le laisser tranquille par la suite. Alors il arrive en disant « je suis désolé », mais ça passe très bien, parce qu'on entend par sa tonalité de voix qu'il n'est pas réellement désolé, c'est-à-dire qu'il n'assume pas son approche, non. C'est une simple formule de politesse. On a le droit de dire qu'on est désolé si ça sonne pas comme une véritable excuse. Il arrive avec surtout une belle énergie, Christian. Il arrive avec le sourire, il arrive... On sent d'une façon qu'on sent qu'il a quelque chose de positif à apporter. Il n'est pas là pour prendre quelque chose, il n'est pas là comme un mendiant. Il arrive avec cette belle énergie et il crée tout de suite des rires. Alors, quand il parle à la demoiselle qui l'intéresse moins, c'est vrai qu'il n'est pas très très clair, parce qu'après il commence à se présenter à elle. Il n'avait pas besoin de se présenter à elle, parce que du coup elle a cru à un moment qu'en fait c'était elle qu'il voulait rencontrer, donc léger malaise. Mais c'était globalement très bien. Il aurait pu juste informer l'ami qu'il allait venir prendre l'attention de sa copine quelques instants et ensuite le faire et aller se présenter à celle qui l'intéresse. On regarde la suite. Okay. Tu as été étudiante? Non, pas du tout, non. Vous faites pas très bon en devinette. Bon, je t'entends encore. T'es dans la vente? Non. Marketing? Non. T'es docteur, infirmière, hôtesse de l'air. Non. Non? Allez, un indice. Ingénieur. Non. Pas un indice, désolé. Ingénieur, c'est excellent ça. En quoi? Dans les énergies renouvelables. Ah, c'est génial ça. C'est carrément la grosse tendance là. Gros business, énergie verte. Ouais. Chez Total. Non, une petite boîte. Une petite boîte? Ouais. Ah, c'est cool ça.